Yo, salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Voici trois actualités que j'ai repérées cette semaine. On commence avec un truc qui me fait rigoler, mais vous pouvez pas savoir comment je me marre. C'est le fail incontestable de l'État français qui vient de se prendre une raclée. Le fameux plan THD, vous le connaissez, très haut débit, fiber to the home, enfin l'installation de la fibre en 2020 pour tous les foyers. Et bien, ils sont en train de se rendre compte, lamentablement, qu'ils vont jamais y arriver, mais au grand jamais, parce que 2020, je vous rappelle, c'est l'année prochaine, hein, juste comme ça. Et donc, du coup, bah, ils disent non, on n'y arrivera pas. Alors, leur plan au gouvernement, je l'ai noté là, hein, tu vois, toi-même tu sais, j'ai fait une fiche. Ils proposent un chèque de 150 euros par foyer pour l'équipement en boîtier 4G fixe. Par exemple, la fameuse 4G box de Bouygues Télécom ou les boîtiers de chez Orange ou des choses comme ça. Ils vous donnent un chèque de 150 euros pour vous payer un... Bref, c'est bizarre, mais ils ont de l'argent claqué. Ça fait une enveloppe totale de 100 millions d'euros à rajouter en bas de la facture de la fibre optique. Il y a 6,8 millions de foyers qui sont actuellement sous la barre des 3 mégabits par seconde, que ce soit en ADSL ou en n'importe quelle autre technologie. Donc, ce serait pour leur permettre forcément de profiter d'une connexion un peu plus... top, hein, un peu plus haute. Ce sera valable également pour ceux qui peuvent avoir internet via une boucle radio locale, la 8max, les trucs comme ça. Plus de renseignements sur le site de l'État, aménagement-numérique.gouv.fr. Je vous le marque en bas si vous voulez aller voir, c'est le site de l'État qui vous décrit les modalités pour le chèque de 150 balles et le autre chose. Deuxième truc, un truc lamentable aussi, Apple qui n'arrive toujours pas à résoudre ses soucis de clavier sur les MacBooks. Tous les MacBooks sont concernés. Vous savez, le fameux clavier avec le mécanisme papillon, eh bien, ils n'y arrivent pas. Tous les claviers pètent, etc., etc. C'est dû à la poussière et il y en a aussi des porchos, je les appelle. C'est ceux qui mangent devant leur ordinateur et qui laissent plein de miettes tomber dans leur clavier. Donc, vous êtes des gros porcs, on ne fait pas ça devant son ordi. Si on mange, on mange à table sans rien. Donc, Apple continue de s'excuser, etc., etc. Toujours est-il que si votre Mac est sous garantie, profitez de la garantie. Hein, ça passe en garantie, ces trucs-là. Ça va, bien entendu, générer des difficultés, de grosses difficultés, même pour la revente de ces MacBooks, parce que personne n'en voudra vu qu'il y a des problèmes de clavier. Voilà. Et dernier petit truc, ça concerne le Galaxy Note 10, le futur Galaxy Note 10, qui aura un énorme capteur photo, enfin un capteur photo déjà plus grand. En fait, c'est pour contrer surtout le dernier Huawei P30. C'est pour encore s'améliorer en photo, hein. On va faire simple parce que sinon le Huawei P30, ah bah j'ai réussi à le dire. Il y aura tout de meilleur, hein. Meilleur en ISO, meilleur en ouverture, meilleur en profondeur de champ, ce qui sera plus courte, en meilleure dynamique, bref, il y aura également un capteur qui sera un peu plus grand pour gagner donc en définition. Et Samsung veut également supprimer tous les boutons physiques du Note 10, donc il n'y aurait plus de boutons physiques sur l'appareil, même plus le bouton de Bixby. Ceux qui sont habitués à ça, il n'y aura plus le bouton de Bixby. Et voilà, donc c'est bizarre hein, ce qui s'est passé cette semaine. Alors, dernier petit truc que j'ai pas noté sur ma feuille, je vais arrêter de jouer avec ça. C'est Apple, encore une fois, qui annonce en communiqué de presse que... ils feront pas le AirPower. Alors, si vous êtes au courant de ce que c'est, sinon les autres... Eh bien, le AirPower, vous connaissez le Samsung Galaxy S10. Bon, vous pouvez faire de la transfert d'énergie via induction en collant les deux téléphones. Et ben Apple voulait faire ça avant Samsung, sauf que Samsung est arrivé, pas Apple. En fait, apparemment, ils n'arriveraient pas à faire fabriquer le système par leurs sous-traitants et du coup, ils abandonnent le projet. Alors, c'est bizarre hein, venant d'Apple. Moi, je soupçonne surtout que les boîtes qui travaillent avec Apple profitent du fait qu'Apple ait beaucoup d'argent et traînent les pattes et demandent des rallonges à chaque fois. Pour s'enrichir, bien entendu. Mais ça, ce n'est que mon avis. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se revoit soit mercredi, soit dimanche. Pourquoi ? Tout simplement parce que il y a l'article 17, sous-entendu l'article 13, qui a été voté par le Parlement européen. C'est un scandale, ça concerne les droits d'auteur. Donc on va en parler soit la semaine prochaine, mercredi, soit dimanche. Mais je vous tiendrai au courant de toute façon avant la sortie de la vidéo, comme d'habitude. C'était Seb, je vous souhaite de passer... une bonne semaine, un bon week-end et à très vite j'espère. Ciao ciao!